Allez, à présent, on va passer à la musique, mais à la musique sacrée. Bonjour Mathieu Salam. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes contre-ténor. Oui, tout à fait. Mais vous n'étiez absolument pas destiné à être contre-ténor. Pas du tout. Puisqu'en fait, vous, à la base, vous êtes prof de chant. Alors, à la base, déjà, je suis chanteur de variété. De variété. Parce que j'ai chanté dans les piano-bars, des chansons comme Piaf, Aznavour, Brassens. Et il y a 3 ans, vous allez à Venise. Tout à fait. Et un petit voyage à Venise. Un coup de cœur et un coup de foudre pour ces voix hautes et ces voix hautes d'hommes. Donc les voix de contre-ténor. Alors vous avez une belle voix, mais juste le micro un tout petit peu plus bas, s'il vous plaît. Comme je ne chante pas souvent au micro. Bah oui, j'imagine. Et donc vous ne connaissiez absolument pas ces voix de tête. On peut rappeler, c'est quoi les voix des castrats, historiquement? Alors les voix des castrats, c'est les voix très très hautes et c'est un mécanisme en fait en voix de tête. Si je parlais en voix de poitrine, c'est ma voix parlée de tous les jours. Et la voix de tête, c'est la voix la plus haute. Donc là, je suis dans un mécanisme qui passe derrière. Bon là, c'est un peu le travail d'un professeur de chant. Hein. Je passe dans un mécanisme 2, un mécanisme en voix de tête. Et l'histoire de cette voix, c'est pour chanter de la musique plutôt sacrée, a priori? En fait, ça correspond au style baroque. Donc, c'est les castrats avant qui chantaient principalement. Bon, il y avait différents castrats, des altos, des mezzos et des sopranes. Les sopranes, c'était les castrats vraiment très très hauts. Et c'est plutôt le répertoire que je défends aujourd'hui. Et c'est étonnant quand même d'arriver, de basculer dans ce monde que vous ne connaissiez absolument pas. Je ne le connaissais pas. Donc, il y avait toute la culture baroque avec les airs, les influences que j'ai découvert donc, il y a 3 ans à Venise. Et j'aime vraiment toutes ces voix hautes. Donc, c'est beaucoup de travail et l'hygiène derrière qui suit également. Eh ben, je vous propose de vous écouter, Mathieu Salama. Allez-y, allez vous installer tranquillement. On va vous présenter cet album de résonance sacrée de Mathieu Salama qui vous proposera d'écouter les différentes pièces que va nous proposer ce contre-ténor. Il est accompagné aujourd'hui, rien que pour nous, et c'est une chance, de Geneviève et de Ghislaine. C'est au clavecin et à la viole de banque. C'est une viole de gambe, pardon. Et c'est une première. Allez-y, Mathieu. Amor, sin colpa.
Merci beaucoup Mathieu Salama. Merci d'autant plus que c'est l'acoustique d'un studio de télévision qui n'est pas forcément fait pour ce genre de chant. Juste un petit mot sur les deux pièces que vous nous avez fait, c'était quoi ? Nel corpo non mi sento, un air de Giovanni Paisiello, et la deuxième pièce, un air d'Handel de l'opéra Jules César. D'accord, et ben merci beaucoup à vos deux musiciennes, Ghislaine et Geneviève, clavecin et viol de gambe. Et puis si vous souhaitez écouter donc dans le cadre d'une église, c'est toujours mieux, Mathieu Salama, sachez qu'il sera le 14 mai prochain à 16h dans un hommage au castrat à la paroisse Sainte-Élisabeth, c'est dans le 3e. Le 28 mai à 20h30, toujours un hommage au castrat au temple du Luxembourg, cette fois c'est dans le 6e arrondissement. Vous êtes également tous les dimanches à 16h, c'est jusqu'à la fin du mois de juillet, au théâtre Le Funambule, Montmartre, dans le 18e. Et puis en tournée dans toute la France, et notamment dans notre région, Pantin, Meaux, Le Raincy et Melun. Merci beaucoup à vous. Une prestation à revoir tout de suite sur les réseaux sociaux de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis également pour ces idées de sortie. J'espère que vous avez eu la chance de faire un petit peu le pont et de profiter en tout cas de cette belle fin de semaine. À suivre le journal Samedi Politique. Et puis nous, on se retrouve le week-end prochain pour d'autres idées de sortie dans la bonne humeur, sans chansons, c'est promis.